Hello and welcome to another informative episode of Event Update brought to you by the Association of African Universities. Event Update is all about upcoming higher education events and scholarship opportunities for African scholars. I am Isabelle Atete Ahinakwa. Je suis Imelda Marie-Gisèle Amouji. The University of Cape Town is inviting journal editors, organizations, experts, and stakeholders worldwide to the second Global Summit on Diamond Open Access, which aims to unite the Diamond Open Access community for discussions on social justice in scholarly communication. The summit is scheduled for December 8 to 14, 2024 in Cape Town, South Africa, and the theme is Centering Social Justice in Scholarly Communication to Advance Research as a Public Good. This summit aims to foster collaboration, remove biases, and address financial barriers in scholarly publishing. Expected outcomes include enhanced networking, increased visibility of scholarship from marginalized communities, and greater participation from the Global South in the publishing ecosystem. For more information and to register, visit the official website via the link on your screen or email the address. L'Université du Cap vous invite à son deuxième sommet mondial sur le libre accès aux diamants afin de rassembler la communauté du libre accès aux diamants et les communautés potentielles dans un dialogue entre les éditeurs de revues, les organisations, les experts et les parties prenantes du monde entier. Le thème du sommet est centré la justice sociale dans la communication savante pour faire avancer la recherche en tant que bien public et il est prévu qu'il se tienne du 8 au 14 décembre au Cap en Afrique du Sud. Ce sommet vise à fournir un forum pour l'engagement sur la justice sociale en tant que moteur du diamant entre libre accès. Ce forum vise à mobiliser la communauté internationale afin d'accélérer la diffusion des travaux d'érudition en éliminant les préjugés et les difficultés financières. Les résultats attendus sont le développement du réseautage et de la collaboration et le développement d'une capacité à accélérer la participation du Sud mondial dans l'écosystème de l'édition, l'augmentation de la visibilité des travaux d'érudition du Sud mondial et les communautés de recherche précédemment marginalisées et bien d'autres choses encore. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, veuillez visiter le site officiel fichant sur votre écran ou envoyer un message électronique à l'adresse fichant sur votre écran. The Association of African Universities, AAU, is calling for applications from talented web developers proficient in web development, graphic design, JavaScript, HTML, CSS, and WordPress for positions software developer or web developer. For the web developer role, candidates should possess an HND or a bachelor's degree in information technology, computer science, web development, graphic design, information systems, or a related field. They should also have proficiency in desktop publishing tools like Photoshop, InDesign, and Illustrator, as well as demonstrable graphic design skills with a robust portfolio and experience in computer-aided design. For the software developer position, candidates should hold a Bachelor of Science degree in Information Technology, Computer Science, Information Systems, or other relevant fields. They should demonstrate the ability to manage project timelines, priorities, and deliverables effectively. Candidates should have expertise in relational database management systems such as MySQL and MongoDB, be team-oriented, possess strong listening skills, handle constructive criticism well, and effectively develop and articulate ideas and processes.
Qualified applicants are required to submit their CVs, academic records, and the contact information of two referees via the Apply Now button on the AAU Africa's Job Board official website provided. Address to the Human Resource Manager AAU before May 10, 2024. For further details, visit the Africa's Job Board official website. L'Association des universités africaines lance un appel à candidature aux développeurs web qualifiés ayant de l'expérience dans le développement web, la conception graphique et les compétences en JavaScript, la HTML, la CSS et le WordPress pour postuler le poste de développeur de logiciel ou le développeur web. Les candidats intéressés par le poste de développeur web doivent être titulaires d'un BTS ou d'une licence en technologie de l'information, en informatique, en développement web, en conception graphique, en système d'information ou dans un domaine connexe, maîtriser les outils de publication assistés par ordinateur, notamment Photoshop, InDesign et Illustrator. Avoir des compétences démontrables en matière de conception graphique avec un solide portfolio et une expérience de la conception assistée par ordinateur. Les candidats intéressés par le poste de développeur de logiciels doivent être titulaires d'une licence en technologie de l'information, en informatique, en système d'information ou dans d'autres domaines pertinents, être capable de gérer efficacement les délais, les priorités et les résultats des projets, avoir une bonne connaissance des systèmes de gestion de bases de données relationnelles tels que la MySQL et MongoDB, avoir l'esprit d'équipe, être de l'écoute, être capable de donner et de recevoir des critiques constructives, de développer des idées et des processus et les exprimer clairement. Les candidats qualifiés doivent soumettre leur CV, leur dossier académique, les noms de deux personnes de référence et leurs contacts en cliquant sur le bouton « Appliquer » sur le site web officiel fichant sur votre écran et en s'adressant au corps responsable des applications de l'AUA avant le 10 mai 2024. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site officiel de l'AUA et de l'Africa Jobs Board. The BCDI 2030 program, which is the Canadian International Development Scholarships 2030, is issuing a second call for proposals for scholarship projects for studies in Canada, inviting post-secondary institutions to participate. This presents an opportunity to offer high-quality education and training, including vocational and technical programs aimed at reducing disparities in access to higher education. It also aims to empower both men and women leaders to become catalysts for positive change within their communities. Interested candidates must be affiliated with a BCDI 2030 eligible partner institution of higher education in various roles such as student, faculty, staff member, administrator, or director. They should have the primary goal of studying and or training in Canada and returning to their home country afterward, and must not have previously participated in a scholarship program funded by the government of Canada, nor be enrolled in a Canadian higher education institution. Qualified applicants need to designate a responsible individual to complete the application process, fill out the online application and budget forms, and submit their request by May 30, 2024. For further details, visit the link or email the address provided. Le programme canadien de bourse de développement international 2030 invite les établissements d'enseignement post-secondaire à soumettre des demandes dans le cadre de son deuxième appel à proposition pour des projets de bourse d'études au Canada. Il s'agit d'une occasion d'offrir des possibilités d'éducation et de formation de qualité, y compris une formation professionnelle et technique, de réduire les inégalités dans l'accès à l'enseignement supérieur, ainsi que de former des femmes et des hommes leaders pour qu'ils deviennent des agents de changement qui influenceront positivement les communautés.
Les candidats intéressés doivent être affiliés à un établissement d'enseignement supérieur partenaire éligible au programme BCDI 2030, que ce soit en tant qu'étudiant professeur, membre du personnel d'administrateur ou directeur, et avoir pour l'objectif principal d'étudier ou de se former au Canada et de retourner dans leur pays d'origine après leur séjour au Canada. Les candidats ne doivent pas avoir déjà participé à un programme de bourse d'études financé par le gouvernement du Canada, ne pas être déjà inscrit à un programme d'études dans un établissement d'enseignement supérieur canadien et ne pas avoir demandé la résidence permanente ou la citoyenneté canadienne. Les candidats qualifiés doivent désigner une personne chargée de remplir la demande, remplir le formulaire de demande en ligne et le formulaire de budget et soumettre une demande avant le 30 mai 2024. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web fichant sur votre écran ou encore envoyer un message électronique à l'adresse fichant sur votre écran. You are still watching Events Update on AAU TV, brought to you by the Association of African Universities. Follow our social media handles at Association of African Universities on Facebook and YouTube, and also our dedicated website at tv.aau.org. Explore a whole new world of exciting visuals with AAU TV. Get ready for a mix of interesting talk shows, interviews, discovery documentaries, and news on AAU TV. It's not just about watching TV, it's about experiencing something special. AAU TV reaches over 25 countries in Africa, bringing you a blend of knowledge and fun. Learn about different cultures as you enjoy the shows. If you have events or want to showcase your business, we've got you covered. Watch AAU TV free-to-air channel on satellite. Connect with us on Facebook, Instagram, and X, formerly known as Twitter, at AAU TV. Reach out on call or WhatsApp us at +233 26 629 6601 or +233 20 399 5210. AAU TV, the voice of higher education in Africa. Applications are opened for the 2024-2025 University of Kwanda MasterCard Foundation Graduate Scholars Program, targeting academically gifted youth from Ethiopia, Somalia, Eritrea, Djibouti, and South Sudan. This scholarship initiative aims to equip scholars with transformational and leadership skills, enabling them to demonstrate high professional and scholarly competencies to positively impact global, regional, national, and local socioeconomic development trends. Eligible candidates must hold a bachelor's degree in a field relevant to their proposed graduate program from a recognized university, with English as the medium of instruction within the past 5 years, achieving a minimum CGPA of 2.75. They must also be citizens and permanent residents of the specified countries. Youth applicants with disabilities and female applicants facing financial constraints in financing graduate university education are encouraged to apply. Applicants can complete and submit their applications online or download the application form and send it via email or by mailing it to the address on the screen before 30th June 2024. For further details, visit the link or contact the email address on the screen. Les candidatures sont ouvertes pour le 2024-2025 Université de Gondar MasterCard Foundation Graduate Scholars Program pour les jeunes académiquement talentueux de l'Éthiopie, de la Somalie, de l'Érythrée, de Djibouti et du Soudan du Sud. Cette opportunité de bourse vise à aider les boursiers à acquérir les compétences de transformation et de leadership et à démontrer
des compétences professionnelles et académiques élevées pour influencer efficacement les tendances de développement socio-économique, mondial, régional, national et local. Elle fournira également un excellent soutien académique et non académique aux boursiers de la Mastercard Foundation pendant leur séjour de l'Université de Gondar. Pour être éligible, le candidat doit avoir obtenu une licence dans une discipline pertinente pour le programme d'études supérieures proposé dans une université reconnue utilisant l'anglais comme langue d'enseignement au cours des 5 dernières années, avec une moyenne cumulative de 2,7 au minimum, et être citoyen et résident permanent d'un pays mentionné. Les jeunes candidats handicapés et les candidats rencontrant des difficultés financières pour financer des études universitaires supérieures sont éligibles. Les candidats doivent remplir et soumettre un dossier de candidature en ligne ou télécharger un formulaire de candidature papier et l'envoyer par email à l'adresse fichant sur l'écran ou encore à l'adresse électronique indiquée à l'écran avant le 30 juin 2024. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web officiel fichant sur votre écran ou encore envoyez un message électronique à l'adresse fichant sur votre écran. The Committee for International Cooperation and Development, CICOPS, in partnership with the University of Pavia and the Institute for the Right to University Studies, EDISU, announces 6 scholarships for visiting scholars in 2025. These scholarships aim to promote international cooperation, particularly with developing countries, and facilitate research collaboration at the University of Pavia for the duration of 4 to 12 weeks. Applicants should possess a minimum of 2 years of teaching experience or engagement with international organizations, be affiliated with universities' research centers in developing countries, and demonstrate a specific interest in development studies. Required documents include a curriculum vitae with a list of publications and an invitation letter from the collaborating professor or researcher, both properly named as instructed. The deadline for application is May 31st, 2024. For more information and application procedures, visit the official webpage of the CICOPS Scholarships. Le Comité pour la coopération internationale et le développement offre 6 bourses pour des chercheurs invités en 2025 en collaboration avec l'Université de Pavie et l'Institut du droit aux études universitaires. Ces bourses visent à encourager la coopération internationale, en particulier avec des pays en développement, et offrent des possibilités de collaboration en matière de recherche à l'Université de Pavie pour une durée de 4 à 12 semaines. Les candidats doivent avoir au moins 2 ans d'expérience d'enseignement ou d'activité au sein d'organisations internationales. Ils doivent aussi être affiliés à des universités ou des centres de recherche importants dans des pays en développement et à avoir un intérêt particulier pour des études de développement. La période de séjour des boursiers doit se situer entre le 13 janvier et le 20 juillet 2025 ou entre le 8 septembre et le 21 décembre 2025. Les documents requis comprennent un curriculum vitae avec une liste de publications et une lettre d'invitation d'un professeur ou du chercheur collaborateur, tous deux correctement nommés selon les instructions. Les candidatures doivent être soumises avant le 31 mai 2024. Pour plus de détails et les procédures de candidature, les personnes intéressées peut visiter la page web officielle des bourses CICOPS fichant sur votre écran. The United Nations University, UNU, is calling for applications for its Junior Fellow Internship Program, offering graduate students and young professionals the chance to work at the UNU headquarters in Tokyo.
The program aims to offer interns a dynamic and enriching experience, allowing them to engage with the UN system, contribute meaningfully to UN youth projects, and advance their professional development. This competitive program targets candidates under 32 years old, currently pursuing or recently completing postgraduate studies with native or fluent English proficiency and a demonstrated interest in the United Nations mission. Successful applicants will contribute to UN youth initiatives, develop new skills, and receive a stipend to partially cover living expenses during the approximately 4-month internship period, running from August 12 to December 20, 2024. Candidates are required to submit their applications by May 10, 2024, which should include a current CV, a concise cover letter outlining their motivations and qualifications, completion of the provided application and funding forms, and letters of recommendation. For further information and application details, visit the official UNU website on the screen. L'Université des Nations Unies accepte les candidatures pour son programme de stage Junior Fellowships, qui offre aux étudiants diplômés et aux jeunes professionnels la possibilité de travailler au siège de l'ONU à Tokyo. Ce programme compétitif recherche des candidats âgés de moins de 32 ans poursuivant ou ayant récemment terminé des études de troisième cycle, maîtrisant l'anglais dans leur langue maternelle ou couramment et démontrant un intérêt pour le travail des Nations Unies. Les candidats retenus contribueront aux activités de l'ONU, développeront de nouvelles compétences et recevront une allocation pour couvrir partiellement les frais de subsistance pendant la durée de stage de l'environ 4 mois du 12 août au 20 décembre 2024. Les candidats doivent soumettre leur candidature avant le 10 mai 2024, y compris un CV à jour des lettres de motivation consistent décrivant leur motivation et leurs qualifications et en remplissant les formulaires de demande et de financement fournis. En outre, les candidats doivent fournir des lettres de recommandation. Le programme vise à fournir une expérience dynamique et enrichissante pour les stagiaires afin qu'ils s'engagent avec le système des Nations Unies et contribuent de manière significative au travail de l'ONU tout en faisant progresser le développement professionnel. Le programme vise à fournir une expérience dynamique et enrichissante pour les stagiaires afin qu'ils s'engagent avec le système des Nations Unies et contribuent de manière significative au travail des Nations Unies tout en faisant progresser leur développement professionnel. Pour plus d'informations et de détails sur les candidatures, veuillez visiter le site officiel de l'ONU ou le lien affichant sur votre écran. And that is all for this episode. Event update is brought to you by the Association of African Universities. Follow our social media handles at Association of African Universities on Facebook and YouTube, AAUTV_African Universities on X, and also AAUTV Official on Instagram. My name is Isabella Tete Ahinakwa. Je suis Imelda Marie-Gisèle Amoudji. À la prochaine.